Alors, je vais prendre 2 œufs en gelée. Voilà. Un peu de salade piémontaise. Merci. Un pied de porc. Et enfin de la mayonnaise, s'il vous plaît. Sans la peau. Tu travailles jusqu'à quelle heure? Quelle heure tu finis ici? 11h. 11h? 11h, on peut faire quelque chose après, non? Ça te dirait? Oui, c'est que tu peux m'emmener. Je sais pas, on va manger quelque part, on va un peu de champagne et puis. Du champagne? Bon, on va dans un dancing. D'accord. Ouais. Ça me ferait très plaisir. C'est joli ça, tu viens comme ça, tu viens dans cette tenue. Pas mal. Non? Ça te plaît? Ouais, pas mal. Je reviens. Je suis en retard. Ouais, c'est pas grave. Je vais te présenter. On y va. Allez, les filles. Paul Duméry, Roger Sarbry. C'est votre bureau? C'est calme? Une faillite? Donc je m'occupe. Grandeur et décadence du spectacle. Ne vous laissez pas impressionner. Hein. Bon, ben maintenant que vous vous connaissez, je vais vous laisser. Parce que moi, j'ai quelque chose sur le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Occupez-vous de lui comme de moi-même. Mieux, si possible. Je me sauve. T'en fais pas. Hein. Il est au courant de tout. Je lui ai tout expliqué. Merci, comme ça, c'est fait. Il paraît que vous avez un bien bel appartement. Oui, en effet. Enfin, je n'y suis plus pour très longtemps. Disons que c'est un appartement qui appartient à mes beaux-parents. Vos ex-beaux-parents? Écoutez, j'ai pas traversé tout Paris pour subir un examen. Très bien, ne perdons pas notre temps. Il faut que tout se passe correctement. Bon, voilà, mes créanciers ne me lâchent plus et j'ai plus assez d'argent pour payer la pension de ma femme. De mon ex-femme. Elle ne vous a pas quitté pour un plus riche?
Non, mais détendez-vous. Comment vous en êtes arrivé là, cette parmesan? Écoutez, c'est simple. Si vous avez du sérieux à me proposer... Oui. Moi, j'ai quelque chose. Une créance de 4000 que je crois bonne. Que vous croyez. Qui est bonne. Écoutez, on va pas parler de ça ici. Passez chez moi. Mardi, dans la soirée. 42 rue Mellet, 3e étage. Vous verrez ce que je peux faire. Vous ne buvez pas? Sarbry. Monsieur Sarbry, 42 rue Mellet. Ce serait pas bien malin, mais je me ferais pas prendre. Pas de casier judiciaire. En tout cas, c'est pas moi qui irais claquer mon fric avec des poules. Moi, je le ferais durer longtemps. Sur le crâne. Comme au Moyen-Âge. Pas bien terrible tout ça. Enfin, vous connaissez les conditions. Comme pour Dobel. C'est un peu dur, non? Vous trouvez? Bon, ben on va voir ça. On aurait été mieux chez vous pour parler, non? Ici, c'est provisoire. Je croyais bien qu'il me restait du tabac. Vous fumez pas, évidemment.
Monsieur, monsieur, vous oubliez votre marteau. Si. Ah oui, Madame Georget. Tous ces journaux, qu'est-ce que j'en fais? Je les prends pour mon feu? Vous allez pas garder tout ça? Non, mais laissez ça là. Je m'en occuperai. De toute façon, je les ai pas tous lus. Vous, au moins, vous vous tenez au courant. Nous, la TSF, ça suffit. Oui. Soyez gentille, allez me chercher la valise là-bas, là, s'il vous plaît. Merci. Vous partez en voyage? Oui, oui. Oui, je pars quelques jours. Je sais pas combien de temps, mais... Enfin, si on vous demande quelque chose, vous direz que vous savez pas où je suis, quoi. Hein? Je vous appellerai, Madame Georget. À propos, vous avez retrouvé votre marteau? Mon marteau? Le marteau que... Quel marteau, Madame... Oui, le marteau qui était dans le tiroir de la cuisine. Vous savez bien. Je vous l'avais emprunté pour reclouer mon rideau dans la loge. En le rapportant chez vous, je sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de le remettre à sa place dans le tiroir de la cuisine... Je l'avais mis dans le cabinet à habits, là-haut sur la planche. Vous voyez? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais je l'ai retrouvé. Oui, mais c'est que je ne retrouve plus. Je voulais le remettre dans le tiroir de la cuisine. Mais je l'ai retrouvé sur la planche. Mais c'est qu'il n'y est plus. Mais je l'ai mis dans le tiroir de la commode. Celui qui ferme à clé? Voilà, c'est ça. Celui qui ferme à clé, Madame Georget. Enfin, le marteau, de toute façon, on s'en fiche, hein? Ah, vous êtes drôle, vous, alors? Oui, je sais, oui. Je sais, Madame... Mais une seconde, je suis à poil. Sonnette, c'est pas fait pour les chiens. Ouvre, Polo. J'arrive. Te dérange? Je passais comme ça. Ça va? Ça va? Et toi? Comme ça.
Jeannine me coûte de plus en plus cher. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Je dis trop rien. Je crois que je suis un peu pincé. Enfin, toujours est-il que je suis allé voir Savry. Savry? Mais quand? Je sais pas, il y a 4-5 jours, je sais plus. Fumier. Fumier? Mais je croyais que c'était ton ami. 4000 balles à 30% sur 20 jours? Tu parles d'un ami. Quand je suis allé chez lui, je sais pas ce qui m'a retenu, lui foutre un bon coup sur la tronche. C'est pas bien malin, hein? Pour se faire pincer tout de suite. Tu rigoles? Il y a au moins 10 types par jour qui passent le taper. Enfin bref, je me suis dégonflé. Et toi, tu l'as vu? Et tu te fous de moi ou quoi? Hein? Tu lis pas la presse? Non, pourquoi? Ah, nom de Dieu! Je vais te dire, c'est pain béni pour ce salaud. Tu vois ce que je te disais? Le type qui a fait le coup, tu peux être sûr qu'on le retrouvera jamais. Dis donc, ça s'arrose. Allez, je t'invite chez Galopin. Non, merci, non. Allez, va te changer, je t'attends. Non, pas ce soir. Je t'invite, je te dis. Non, demain à midi, mais pas ce soir. Ah, dommage. Dis donc, il y a un truc qui m'embête pour toi. Il va falloir que tu te trouves un autre pigeon pour te prêter du fric. Allez. Bon, allez. Je vois que je te dérange. Salut, je vais y aller. Je vais aller voir Jeannine, parce que je crois que tout ça va la chauffer. Autant profiter, hein. Dis-moi, il serait peut-être bon qu'on se trouve un alibi, non? Pourquoi faire? Ben, je te garantis que les flics vont trouver nos noms dans ces papiers. Ça s'est passé quand, tout ça? Mardi? Mardi, j'étais chez moi. Tout seul? Je manque de peau. Jeannine était chez sa mère. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et Lucien n'était pas libre. Et toi? Chez moi. On pourrait peut-être dire qu'on était ensemble. Et puis quoi encore? Ah, merci. Non, mais... Merci beaucoup, hein. Tu pars en voyage? Oui, je pars pour quelques jours. Puis je passerai peut-être à Saint-Alban, enfin, plus tard. Eh bien, tu leur diras bonjour pour moi. C'est ça. Salut, Polo. Salut. C'est lui qui a fait le coup. De rue Mellet, s'il vous plaît. Thank you.
Bienvenue à l'hôtel de la gare. Paul Rabin. La 12, premier étage. Oh, Paul Robin, excusez-moi. Oui, non, mais c'est pas grave. Je vais vous payer tout de suite, c'est combien ? 500 francs, mais ce n'est pas urgent. Demain matin, quand vous partirez ? Non, non, je préfère le faire tout de suite. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre chambre, mais si vous manque quelque chose, vous m'appelez ? C'est parfait. Merci. Allô ? Oui, mademoiselle. C'est le monsieur de tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me faire monter une serviette ? Oh, deux, remarquez, avec du savon. Bien, monsieur, tout de suite. Tu reviendras ? Non. Monsieur Gauthier. Merci. Non, merci.
La cravate. Bœuf sauce sereine, filet de l'autre sauce ivoire. Filet de l'autre sauce ivoire. Vous avez déjà dîné ici? C'est très bon, je crois. Si vous le dites. Voilà, monsieur. Mesdames, vous désirez autre chose? Oui, oui, mais c'est pas du tout assez salé. Vous voulez des desserts maintenant? Non. Ça vous en a? Lieutenant Savournin, est-ce que je me trompe? Ne vous en faites pas, Duméry, je vous avais reconnu. Comment allez-vous, Duméry? Oh, lieutenant, ça fait un bail, je... Calmez-vous, je vous en prie, épargnons-nous la scène des retrouvailles des copains de régiment. C'est pas ça, lieutenant, c'est que je suis vraiment content de vous revoir. On a tellement de souvenirs en commun. Précisément. Écoutez-moi, Duméry, je vais pas faire de mystère avec vous, mais il faut que vous soyez plus discret. Est-ce que vous vous cacheriez par hasard? Non, pas vraiment. Je suis dans la police. On m'a expédié ici pour enquêter. Vous voyez. Ah bon. Ça vous dirait de faire un petit tour, histoire de digérer, d'accord? Pourquoi pas? Je suis ici pour une affaire d'escroquerie à l'assurance sur la vie. Un type qui se fait passer pour mort, mais vous pensez bien qu'il va pour nous attendre? C'est pour les bateaux qui manquent par ici. Enfin. C'est pour une grosse boîte. Alors, faut faire du zèle. Hein. Je suis bon pour rester là encore pour 2-3 jours. Et vous? Vous n'êtes pas d'ici? Qui, moi? Ah oui, non. Non, mais j'aime bien ce climat. Ça me change un peu de Paris, si on aime la pluie. Mais dites-moi, les... Vous devez avoir des enquêtes un petit peu plus passionnantes, non? Oh, c'est plutôt rare. Passionnant, ça veut dire quoi? Oh, ben, je sais pas, moi. Tiens, par exemple, cette histoire-là que j'ai lue dans le Canard ce matin, vous savez, le type assassiné dans un bureau à Paris. Je vois vaguement. C'est un collègue qui est sur le coup. C'est quoi exactement? J'ai oublié. Si vous croyez que je vais vous laisser me tirer les verres du nez. Ça n'a aucune importance. Parlez-moi plutôt de vous. Ah, mais ça y est, ça me revient. Paraîtrait que c'est du travail d'amateur. L'assassin a dû se contenter de ce qu'il a trouvé sur le bonhomme. Il n'a même pas touché au coffre, qui était bourré, paraît-il. Pas si malin, finalement. C'est pas bien passionnant, de toute façon. Hein. Le dénommé Salibri, quelque chose comme ça. Sabri. Enfin, le type en question, Salibri, c'était pas grand-chose. Hein. Un peu douteux. Il avait plein de courriers chez lui. On verra facilement ses relations. Oui, oui, j'espère bien. Après tout, on s'en fout. La routine. Ça ira vite. Vous savez, j'ai pas vraiment choisi tout ça. Et vous? Qui, moi? Ah oui, non, moi, j'écris. J'écris des petites choses. Ah, écrivain. Enfin, pas depuis longtemps. Celui-là. Ouais, sans commentaire. Un retraité de la police, qui sait. Mais non, je plaisante, Duméry. Je me souviens, vous ne deviez pas vous marier dès le retour au civil? Oui, 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 c'est fait. Et défait. Ah, je connais ça. J'ai divorcé. Plus la pension alimentaire. Heureusement, j'ai mon gosse. Il est bien gentil.
Bon. Ah, alors, à demain, au petit déjeuner. Ah, je le prends dans ma chambre. Ah, bien raison. Si j'étais en vacances, hein. Bon, allez, ça, ça m'a fait plaisir, Dumery. Moi aussi. Voici, monsieur. Votre clé, monsieur Gauthier. Ah, je... Je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas? Bien sûr. Bonjour, monsieur. Dites-moi, je voudrais appeler monsieur Savournin. Vous auriez son numéro de chambre? Monsieur Savournin, vous voulez dire le flic? Il est parti ce matin à 6 heures. Oui, on l'a rappelé d'urgence à Paris. Ah bon? Il n'aurait pas laissé un message pour moi, par hasard? Non, pas pour vous, monsieur Gauthier, non. Il a laissé un message, mais pas pour quelqu'un de l'hôtel. Ah oui, d'accord. Merci. L'examen des papiers de la victime avait permis de dresser la liste de ses relations. On avait pu déterminer parmi ces personnes celles qui étaient le plus au courant des habitudes de Sarbry. Et hier au soir, les inspecteurs Jacquinet et Gernaise arrêtaient à son domicile un nommé Daubel, cuisinier. Tout porte à croire que l'on est en présence, en dépit de ses dénégations, du meurtrier de Sarbry. Très bien, madame. Je vous en prie. Mais oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Voici vos biens. Le reçu. On vous aurait bien gardé plus longtemps, monsieur Gauthier. Où doit-on faire suivre votre courrier? Ah, il n'y en aura pas. Merci, Philippe. Merci beaucoup, monsieur Gauthier. Je prends pas de sucre ni de toast. On va les redonner aux garçons. Pardon, vous cherchez quelqu'un? Mais non, monsieur, vous avez quelque chose à vous reprocher? Oui. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon. Merci. Merci.
Attention. Méconnaissable. Oui, tant mieux. Ça n'allait pas fort tout à l'heure. Je me trompe? Comment ça? Je sais pas. Vous aviez l'air préoccupé. Pas très aimable non plus. Oui, oui, enfin, je m'excuse. Non, on dit excusez-moi. Je vous excuse. Mais asseyez-vous donc. Vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Oui. Bravo. J'aime. Il n'y a qu'un artiste pour être aussi franc. Je me trompe? Un artiste? Quelle drôle d'idée. Écrivain, quelque chose dans ce genre-là? D'ailleurs, je vous ai vu écrire tout à l'heure. Votre journal. Une lettre d'amour? Une confession? Vous ressemblez à Jean-Jacques Rousseau. Enfin, j'imagine. Oui, sûrement. Et moi, vous ne me demandez rien? Ah non, non, non. Non, c'est pas mon genre. Et puis, je ne vous connais pas. Simone. Simone Goumard. Rémi. Rémi Verbeek. Enchanté. Vous n'avez pas d'accent pour un Belge? Pour un Belge? Non. Mais vous? Pour moi. Et vous venez chercher l'inspiration en province? C'est ça, oui, je suis un peu de la région. Avec un nom belge? Vous n'avez pas non plus l'accent, pas d'accent du tout, en fait. Alors, et vous? Je descends à 16h42, et vous? Oui, moi aussi. Si on repart, bien sûr, on repartira. Vous allez me trouver bien indiscrète, mais en vous voyant, il m'est venu une idée. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. Et puis zut, qui ne risque rien n'a rien. Voilà, ou plutôt voici. Si vous n'avez rien de mieux à faire, bien sûr, j'ai là-bas une villa à vendre. Enfin, une bicoque, mais pas mal située. Elle est à vendre, et je dois m'en occuper. Mon ex-mari n'a pas voulu descendre. Vous voyez. J'aimerais vous la montrer. Avoir la vie d'un homme de goût. D'un artiste. Vous y tenez, décidément. Allez, soyez chic. J'ai pas trop envie de débarquer là-bas toute seule. Trop de souvenirs, vous voyez? Rémi, please. Je peux vous appeler Rémi? Vous devez m'appeler Rémi. À vous de jouer maintenant. Bon. J'espère que je vais faire aussi bien que vous. Des parents? Un père industriel dans le Nord. Une enfance très protégée. Une sœur aînée qui rentre dans les ordres. Moi non. Une mère. Très belle. Je lui ressemble. Puis je vais à Paris pour faire des études de droit. J'habite chez une vieille cousine éloignée qui heureusement me laisse quelques libertés. Je dis heureusement parce que j'aime l'indépendance. Je rencontre un beau garçon, pas très futé, mais qui a d'autres qualités. On nous marie dans l'urgence. Et puis comme c'est un jeune homme de bonne famille, ça ne fait pas trop de vagues. Continuez, ça m'amuse. Un petit manoir près des usines,
Mon mari devient le bras droit de mon père. Il couche avec la secrétaire. Je les ai pincés, mais j'en ai eu vite assez. J'ai demandé le divorce, qui m'a été refusé, of course. Et puis finalement, tout s'est arrangé. Ah oui, j'oubliais, j'ai une petite fille. Non, c'est un petit garçon. Enfin... un garçon. Il n'a plus besoin de moi. Je pense pas avoir plus de choses à rajouter. Pas mal, hein? Vous n'êtes pas mauvais, je dois dire. C'est à peu près la vérité, bravo. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oh, il y a bien deux, trois petites choses qui manquent. Enfin, une grande, plutôt. Et on peut savoir quoi? Ah, un peu de patience. Et moi, alors? Comment je m'en suis tirée? Pas aussi bien que vous, j'ai peur. Pourquoi vous ai-je proposé ce jeu idiot? Non, 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 c'était pas mal du tout. Sauf que vous avez oublié une toute petite chose. Une seule, c'est tout? Petite ou une grande? Ça dépend des goûts. Alors, cinéma ou casino? Voilà ce que j'appelle l'embarras du choix. Excusez-moi, je n'ai pas tous les usages. Vous êtes très bien comme vous êtes. Oh, c'est bête, il y avait Samson François au casino, mais c'est trop tard. La musique, non. Beaucoup d'écrivains sont comme ça. Tenez, André Breton, par exemple. Il paraît qu'il en a horreur. Combien, à votre avis, je peux tirer de tout ça? Oh, c'est un bel endroit, avec la vue, je suppose... Bon, je vois. Vous n'êtes pas du genre à prendre des risques. Vous avez raison, à chacun ses problèmes. De toute façon, il y a un acheteur qui vient demain matin. J'espère que ça va aller. Il faudrait bien. Dites-moi, vous devez mourir de faim. Même pas de glaçons. Je suis lamentable. À vrai dire, moi, j'ai pas très faim. Je suis vannée. Et vous? Vous avez réservé un hôtel? Si j'osais, je vous demanderais bien de dormir ici. J'ai pas très envie d'être seule dans ce taudis. J'ai tout de même pas ajouté en tout bien tout honneur. J'ai horreur du ridicule. Il doit bien y avoir des sardines quelque part. J'ai même plus de pâtes. Je parle, mais... la vérité, c'est que j'ai un peu peur. Je vous avoue que moi aussi. C'est le pop de l'année, c'est normal. C'est pas le grand confort, mais le lit n'est pas si mauvais. Enfin, il paraît. Ça vous tiendra compagnie? Merci, merci vraiment. Bonne nuit, à demain. À demain, il est déjà minuit et demi. Bonsoir. Ça va, toi? Oui, ça va.
Ferme la porte. Il n'y a personne. Tu es sûre? S'il vous plaît, la vue. Prenez pas froid, je vais vous chercher votre veste. Dites-moi, mon très cher Rémi, je pense que c'est vous qui devriez acheter ma maison. Et si tu le tutoyais, ce cher Rémi? Et si tu remettais ça où tu l'as pris? Et toi, où tu l'as pris? Alors comme ça, monsieur est un best-seller. Le breakfast est prêt. Descends, darling. Bon voyage. Allô, Dobel? Oui, c'est moi. Oui, je te réveille? Oui, oui, je sais, bah, je sais, il est tôt, mais... Oh, mon pauvre vieux, j'ai appris la nouvelle, dis donc, c'est terrible. Bah oui, bah, j'avais pas vu les journaux depuis longtemps, et... Alors? Alors, finalement, comment tu t'en es sorti? Eh ouais. Tu vois qu'on peut se faire pincer, même innocent. Ouais. Oh, en tout cas... En tout cas, tu diras à ces messieurs que je serai à leur disposition dès que je serai de retour sur Paris. Pardon? Oui, je suis dans le Nord, là, actuellement. Oui, je suis au chevet d'une vieille tante qui est en train de crever. Oh, c'est pas drôle, oui, je t'assure, oui. En tout cas, sache que je serai toujours avec toi et que dis-toi que cette affaire est finie, hein? Voilà. Je te souhaite bon courage. Je voulais te dire, pour Sarbri, c'est moi. C'est moi qui... Oh, tu me le pardonneras jamais. Je sais bien que... Au revoir, mon vieux.
Mon acheteur s'est décommandé. Je vais rester bloquée ici, je sais pas combien de temps. Quelle barbe. Et toi? Tu n'as pas l'air très brillant. Ah non, tout va bien. Je crois qu'on a besoin de se changer les idées. Je t'emmène, on va prendre la voiture, si elle marche encore. Oh non, 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 je préférais qu'on reste ici. Mais il commence à pleuvoir. Non. Je vais te montrer des choses un peu plus importantes que nos gros soucis, tu verras. Ça m'étonnerait. Tais-toi, on y va. Tu paies l'essence. Charmant ici. Figure-toi que c'est là que je me suis mariée. Bah, tu me diras que c'est moins charmant. Oh, j'ai rien dit. De toute façon, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici, c'est parce qu'il y a une merveille à l'intérieur de cette église qui ne paie pas de mine. Ah bon? Bon, inutile de faire le blasé. Quand tu verras ce qu'il y a à l'intérieur, devine. Non, tu ne trouveras jamais. C'est un chemin de croix de Puvy de Chavannes. Enfin, attribué à Puvy de Chavannes. N'est pas signé malheureusement. On raconte qu'il a passé des vacances ici vers 1880. Il s'est lié d'amitié avec le curé et un an après, il a fait don de ce chemin de croix. Tu te rends compte? 12 stations, 12 petits tableaux. C'est ravissant même si c'est pas de lui. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est 14, pas 12. Allez, on y va. C'est pas vrai. Pas aujourd'hui. Attends, j'ai une idée. On va faire le tour. Je suis sûre qu'on peut entrer par la sacristie. Ouvrez, nom de Dieu! On ne dit pas nom de Dieu, on dit au nom de Dieu. Très drôle. Allez, on va déjeuner. Non, non, je vais juste prendre un café. Je reviens. J'aurais tout essayé. Mais qu'est-ce qu'il a? Vous avez Paris? J'arrive. Allô, Dobel? Comment ça, il est pas là? Il est parti? Ah, mais où ça? À Saint-Alban. Mm-hmm. Vous savez pas quand il rentre? Bien. Je vous remercie. Encore un kilomètre, on prendra la deuxième à gauche et puis le petit chemin à droite et c'est juste à l'entrée de Saint-Alban. Tu me rediras tout ça. T'es vraiment du pays. Dire que je ne te croyais pas. Il faut toujours me croire. Non, pas toujours. C'est moi qui décide quand. Je ne pense pas en avoir pour bien longtemps. De toute façon, tu seras bien forcée de m'attendre. Mais ma chère, je suis un homme libre. C'est ça ou l'autocar ?
petit Polo qui est passé te dire bonjour. J'espère que je te dérange pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'arrive. C'était terrible, hein? Je te dis pas. Je me demande comment j'ai pas craqué. C'est qu'ils sont drôlement coriaces. Je te l'avais dit, hein? On se fait pincer, même innocent. Alors finalement, comment tu t'en es sorti? Dis-moi, t'as plus de moustache? Ah, oui, je... Je t'expliquerai. Le plus incroyable, c'est que ça s'était pas passé le soir qu'on croyait. Le soir où j'étais tout seul. C'était la veille. Et la veille, je faisais un extra chez les Fransac, à Ville d'Avray. Ils ont été très bien avec les flics, je dois dire. Dis-moi, t'as pas l'air en forme. T'es tout de même pas venu jusqu'ici juste pour me voir. Ah bah si. Respirer un bon bol d'air de notre pays natal, hein? C'est fini ici. Y a plus grand chose, même votre maison. Alors. T'as pas interrogé? T'es parti quand? Tu ferais bien de remonter. Je te cherche. Et ton alibi? Mon alibi... Je leur donnerai quand ils me le demanderont. Hein? Et Jeannine, tiens... Comment elle va, Jeannine? Jeannine, elle est remontée hier. Je te trouve bien détendue. Est-ce que tu sais que le neveu de Sabri a engagé un détective privé pour remettre la main sur le fric de son cher oncle? Un paquet, pareil. Je sais pas, mais... Moi, à ta place... Bah t'es pas à ma place. Si tu le prends comme ça... Enfin, je te dis que c'est sérieux. T'as tes raisons. Moi, c'est pas demain que je vais retravailler. Tu dois avoir un peu de fric. C'est pas donné par ici. T'es à quel hôtel? À quel hôtel? L'hôtel? Justement, j'ai rencontré à mon hôtel une sorte de bijoutier, usurier, enfin plutôt usurier. Encore un. Il faut qu'il fasse attention à lui. Ah, ça c'est drôle. Enfin bref, il serait prêt à me prêter 2 000 ou 3 000. À 3 000, moi, ça serait bien. Excuse-moi, ça les vaut. Enfin, l'affaire n'est pas encore faite, hein. Mais si, elle est faite. Je t'assure qu'elle est faite. Bon, bah écoute, je passerai, après tout, c'est pas si loin. Tu sais qu'il y a toujours ton petit vélo au garage. Tu pourrais remonter la selle, parce que depuis le temps... Compte pas sur moi. Tu veux le voir? Mon héritage? Bon. Écoute, c'est pas que je veux te mettre à la porte, mais le car, c'est dans 10 minutes. Hein. Le temps d'y aller. Rémi! Rémi! J'arrive. Voiture décapotable, jolie femme. T'as changé de catégorie. Rémi. Tu me présentes, Rémi?
Je vois pas bien ce que t'imagines. Tu l'auras, ton fric. Ne me fais pas de conneries, Polo. Alors ? Rien. Fallait que je passe le voir, c'est tout. Pendant que tu bavardais, moi, j'ai pas perdu mon temps. Le casino, c'était pas loin. Un rêve. Voilà ta mise de fond avec ta part. Mais tu manques pas d'air. Il y avait écrit casino sur l'enveloppe. Et si quoi? Si j'avais perdu? D'abord, j'ai gagné. C'était trop bête de laisser dormir tout ce fric dans ta valise. Il y avait écrit casino sur l'enveloppe. Tu m'en veux? T'es choquée. On ne fait pas ça. On ne dîne pas dans un lit, on dîne dans la salle à manger. Pardon? Pardon quoi? J'ai pas dit pardon, j'ai dit partons. Partons? Où tu veux. C'est là. Ici. Ça vous fait mal quand j'appuie? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous démange? Ça vous chatouille? Non, ça me gratouille. Ah! Ça remonte à quand? Cette nuit. Quelque chose qui n'est pas passé. Une contrariété, un deuil récent, la perte d'un être cher. Oui, peut-être bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Les pommades, ou... Le mieux, c'est d'attendre, ça partira vite, vous verrez. Je serai vous, je m'achèterai un joli petit foulard et je le mettrai jusqu'à ce que ça disparaisse. Allez, vous êtes libre. Ouais, c'est malin.
C'est mignon comme ça. On dirait Jean-Pierre Aumont. Déjà debout, Madame Georget ? Les poubelles sont pas passées. Oh, Monsieur Paul, il y a des messieurs qui sont venus de la police. Il a fallu que je leur ouvre. C'est bien embêtant, vous savez, je ne savais pas ce qu'il faut faire. Non, mais c'est bon, vous avez raison. Ils ont dit qu'ils allaient revenir. Écoutez, s'ils reviennent, vous leur direz que... Oh, vous leur direz rien du tout. Je mange, je suis fatiguée. À demain. C'est la police. Pas du mari, du mairie. Je vous attendais. Oui. On va loin ? Le quai des Orfèvres. Vous y serez toujours assez tôt. Allez, Oust. Attendez, juste une dernière vérification. Je... Ça suffit ! Monsieur Georget, si vous trouvez un marteau, bah, il est à vous. Les pinces. Monsieur le mairie, je vous écoute. Voilà, je vais tout vous dire. C'est pas commode, j'ai jamais rien pu apprendre par cœur. Je suis divorcée depuis 3 ans. Ma femme me trompait, j'ai pris les torts à mon compte. Bon, c'était pas une mauvaise fille, hein, mais... Elle écoutait trop facilement les gens qui savaient lui plaire, quoi. Elle m'a pas écouté longtemps. Elle s'est remariée... Avec son amant. C'était pas un mauvais type, d'ailleurs. J'ai toujours versé sa pension régulièrement. Tu as tué. Tué quelqu'un pour de l'argent, toi. Oui, c'est ça, pour de l'argent. Et tu sais ce que c'est quand on n'en a pas. Paul, vous m'en voulez ? Moi, vous savez... Ah, je veux rien savoir, Roger. René. Oui, René, évidemment. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je me sens moins seul. J'espérais que tu changerais peut-être, un peu.
un jour. Attends. Je reviendrai. J'avais absolument besoin de 3000 francs. Sabri vit, enfin... vivait, seule. Entendez-moi bien. Je me sentais tout à fait incapable d'un vol, alors d'un meurtre, vous pensez. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette certitude me laissait tout le calme d'esprit pour imaginer n'importe quoi. Alors je m'amusais à y penser. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ton nom ? Le vrai. T'aurais changé quoi ? Rémi. Rémi. Rémi est mort. Paul ne vaut guère mieux, d'ailleurs. Tu as dormi avec un assassin. Je t'ai aimé. Pas très longtemps. Disons qu'on s'est trompés tous les deux. On s'est pas trompés. On s'est menti. Sauve-moi. C'est le monde à l'envers. Et c'est moi qui vais être punie. La grande punition. Moi aussi, je vais être punie. C'est pas pareil, je sais. Je peux plus m'en sortir. Condamné à mort est un être unique. Je suis un être unique. Vous, vous allez vers l'avenir, à reculons, sans savoir où est le mur. Moi, je suis protégé des bêtises, des aventures, des responsabilités. C'est peut-être ça, le bonheur. Allez, ne souffre pas. Je vois bien que tu vas pas bien. Eh oui, bien sûr. Reviens. Tu reviendras. Bientôt, sûrement. Oui, c'est mieux bientôt. Et l'argent, où l'as-tu mis, Paul ? Paul, ça me fait drôle. Où il est, l'argent ? Et le reste à nous. Tu demanderas à Rémi ? Gardien ! Salaud ! Les armes à feu, trop de bruit. Le couteau, non, c'est goûtant. Marteau. Oui, j'en ai un. La porte. Alors, je me suis dit que je pouvais aller rue Mellet avec le marteau dans la poche. C'est comme ça, quoi. Tout juste pour continuer l'histoire que j'avais imaginée. Pas de réclamation, la promenade, la nourriture, le chauffage. Il faut tout me dire. Alors, tout va bien. Bon, passons. Et parlons plutôt du procès. Moi, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Rien. Il faudrait m'en donner un peu plus, quoi. Aidez-moi. Enfin, aidez-vous, en fait. Hein? Non. Ce qui est fâcheux, c'est que le juge d'instruction trouve l'affaire très claire. Il faut dire qu'après ce que vous nous avez déballé, vraiment, vous y aviez répété ou quoi? Vraiment, on ne vous en demandait pas de sang. Alors voilà. Il veut que nous passions aux assises dans moins de 6 semaines. Bon, moi, je sais pourquoi. Il doit attendre un avancement dans les semaines qui viennent, avant les vacances. Alors, il voudrait que cette instruction soit terminée par lui. Parce qu'il craint de ne pas être compris dans le nouveau mouvement s'il a des affaires en cours. Alors, il voudrait liquider tout ça avant le mois d'août, pour être sûr de ne pas louper le coche. Mais moi, je pense qu'on pourra s'arranger pour ne pas passer si tôt. Vous savez, moi, si je peux être fixé le plus tôt possible, je préférerais. Un grand coup, un seul, ça a suffi. Ça a craqué, il a ronflé. C'est juste à ce moment-là que le crime a commencé. Juste après. Vous comprenez ?
Maître Martin Jefté reviendra vous voir quelques jours avant le procès. Il est parti installer sa femme et ses filles dans leur villa de Perros-Guirec. Merci. Passons au reste. Vous avez reçu, je crois, la visite de Bosserand, le conseiller qui présidera les assises. C'est ce que nous appellerons une belle figure de juge. Tenons-nous-en là. L'avocat général Bralmer ne lui ressemble pas, hélas. C'est aussi une belle figure, mais plutôt dans le genre gérant de brasserie. Pas mauvais type, d'ailleurs. Il requiert la peine capitale parce que c'est son boulot. Personnellement, il n'a pas l'air de tellement y tenir. Ah oui, à propos, Jefté m'a téléphoné. Il me demande ce que vous pensez. Faut-il faire venir Daubel à la barre? C'est par lui que vous avez connu Sarbry au départ. On pourrait peut-être compter sur lui pour en faire un portrait désavantageux. Non, Daubel est un con. Il va bafouiller. Même si vous lui écrivez quelque chose, il ne saura pas quoi dire. Je transmettrai. Ah, j'ai commencé à écrire ça. J'appelais ça après. C'est à l'époque où j'avais personne à qui parler. Maintenant, c'est différent. J'aimerais assez que vous alliez le chercher, poste restant... Je sais. Bureau 34. Et tout lire? Oui, ça me ferait bien plaisir. Il y a des passages un petit peu délicats où je parle de vous. Je vous appelle le rouquin. Vous avez du culot? Je suis ce que les coiffeurs appellent blond accentué. C'est bizarre. Je me suis jamais senti aussi bien qu'ici. Je devrais peut-être tuer quelqu'un de temps en temps. Dieu. Dites pas de sottises. C'est vrai? Mais qui? Peut-être moi. Il suffit comme ça. Il y a un procès, pas des plus commodes. Ou hélas, des plus simples. Bon, si c'est un conseil d'amis... Faut que j'y aille. Va. Alors, vous l'avez lu? Non. Pas tout encore. C'est vraiment bizarre. C'est comme ce copain policier, là, ce... Savournin. Décidément, les noms propres. Oui, d'accord. Savournin. Eh bien, ce Savournin, personne n'en a entendu parler dans l'enquête. Un policier, toute une soirée avec un suspect et dans le même hôtel. Il aurait eu l'air malin. Merci, impeccable. C'est demain que je vais savoir si je suis reçu assassin. Parfois, j'oublie que j'ai tué un homme. Et puis, j'oublie que je l'ai oublié. Moi, c'est pire, je n'arrive pas à croire que vous l'avez tué. Mais si. C'est vrai. Accusé, levez-vous. La cour et le jury, après en avoir délibéré, en secret et conformément à la loi, faisant droit aux réquisitions du ministère public et en application des articles de loi précédemment énoncés, condamne Duméry, Paul, Denis, à la peine de mort. En vertu de quoi le condamné aura la tête tranchée. J'ai reçu ça pour vous. C'est ouvert, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Jetez ça tout de suite. La guillotine. La lunette destinée à maintenir la tête du condamné est abaissée. Le couteau est prêt d'arriver au terme fatal de sa course. En haut, les deux mentonnaient. Retenant le couteau avant la chute, en bas, le récipient en tôle destiné à recevoir la tête du supplicié. Dispositif du couteau armé d'un poids de 65 kg assurant la chute de la lunette et des ressorts destinés à amortir le choc de fin de course. C'est amusant. Mais qui a pu vous envoyer une saloperie pareille? La justice, mon cher. La justice divine poursuivant le crime. Il y avait un tableau comme ça, dans un petit Larousse, juste après les pages roses. Je regardais souvent. J'ai toujours été contre l'abolition de la peine de mort. Vous me faites penser à Meursault. Meursault? Meursault qui? Meursault quoi? Non, pas Meursault. Meursault.
Il va pas bien du tout. Une vraie saloperie. Bronchite infectieuse, quelque chose comme ça. Enfin, il va aller à l'infirmerie d'une minute à l'autre. Ou d'une heure en plus. Mm-hmm. Non, ça n'est pas mauvais du tout pour nous, ça. Oui, j'ai potassé la question. Merci beaucoup. Moi aussi. Oui, je sais, le côté, on va pas laisser plus longtemps un grand malade dans la certitude de son sort. C'est énorme, mais on a déjà vu ça une fois. Enfin, on peut toujours espérer. De toute façon, notre président n'est pas un sanguinaire. Et la tête de ce pauvre Dumiré n'aurait rien de bien exemplaire. Il faudrait peut-être lui dire pour le suicide de Simone. Simone? Pas Simone. Ah oui, sa poule. Ah non, non, non. Inutile. Ce n'est pas notre affaire. Bah, d'ailleurs, il est dans le cirage. Oh, il serait bien passé de tout ça. Enfin. Je vois, maître. Il faut en finir, c'est ça? Écoutez, mon petit Telon, vous commencez à m'agacer. Et ne faites pas cette tête-là, c'est le métier qui entre. Vous en verrez d'autres. Oui, ben, je compte bien sur vous. Bon, ben ça suffit. Hein. On a du pain sur la planche. Alors faites vite. On a le dossier Coubert qui nous attend. Mais qui urge, d'ailleurs. Mais dès qu'on sera fixé, vous irez lui dire, puisqu'il vous aime tant. La décision s'annonçait défavorable et puis on a pris en haut lieu cette mesure d'humanité. Sic. Vous êtes gracié. C'est... Je sais pas comment dire. T'es content? Je suis content que vous soyez contents. Tous. On va tenter la révision, ce sera plus facile. Mais je n'ai rien demandé. J'ai déjà tout avoué. Tu dis n'importe quoi. Tu es malade. Guéris-nous vite. Je pourrais lire ou... C'est encore pour la poste restante. Encore fini. Tu as la vie devant toi maintenant. On peut dire ça, même si c'est une connerie. Bon, allez. Je reviendrai demain. Moi, mon boulot, c'était de surveiller un condamné à mort, mais là, normalement, il n'y avait plus besoin. Peut-être qu'il a eu peur de la perpète. Oh, j'en sais rien, je m'en fous. Perpète ou pas, il est mort. Et on va pas faire toute une histoire pour un assassin de moins. Ah non, pas un assassin. Un meurtrier. Excuse-moi, je vois pas bien la différence. Je vais t'expliquer. Oui, vas-y, je t'écoute. Un assassin, c'est quelqu'un qui a tué. Ok, et alors, un meurtrier? Un meurtrier, c'est une personne qui a commis un meurtre. Excusez-moi, je vois vraiment pas la différence. Mais si... Tiens, par exemple... Tu prends un bonhomme qui décide de tuer sa femme. Ouais. Qui prémédite ça. Et bien, s'il l'a tué, ouais, c'est un meurtrier. Ah oui, je veux dire, c'est un assassin. J'ai raison. Bah, oui, d'ailleurs, non, c'est moi qui ai raison. Lui, c'est un assassin.
Bah si. Mais c'est pas grave. S'il se bagarre avec sa femme et qu'il la tue, c'est un meurtrier. Oui, mais là, elle est morte de toute façon.